Salut à tous les amis, c'est Wantou, comment allez-vous? Moi ça va bien, c'est sympa de demander. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Wolfenstein The New Order, si je prononce bien, parce que mon anglais n'est pas terrible non plus. Donc bah, c'est sorti hier, on était le 20 mai 2014. C'est développé par Machina Games et édité par Bethesda. Donc tout de suite se lancer ça, on va d'abord aller faire un tour dans les options quand même. Jouabilité, tatata, oui, commande, audio, sous-titres, langue étrangère, tous, histoire que vous entendiez bien et que vous puissiez comprendre les dialogues. Vidéo, luminosité, on va augmenter un peu ce que j'aime pas quand c'est sombre. Hop, nouvelle partie. Amenez-vous, ne faites rien. Ah, c'est excellent ça. Et ben on va faire ça. Ne me faites pas de mal, hein. Pour commencer, ça sera pas mal. Allez, c'est parti, on se lance ça. Et je me tais pendant les cinématiques. J'avance sous les rugissements des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Ok. D'accord, alors. Verrouillé, bah ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ouais, j'y vais, t'énerve pas. Bon, alors, rond temps se baisser, normal. Ok. Non. T'as besoin d'outils. Ok. Ah ouais, mais donne-moi les outils! D'accord. J'arrive, faut pas s'énerver. Voilà. Et merde, j'ai pris feu. Oui, d'accord, mais alors il faut faire quoi? Verrouiller, bien sûr. Cliquez pour ouvrir le journal, ouais. Non. Ouais, donc normal. C'est notre inventaire. Enfin, en tout cas, ça fait plaisir de retourner sur un Wolfenstein. Parce que ça manquait de bons FPS depuis. Comment? Depuis Killzone, hein. Parce que Call of, c'est bien mignon, mais c'est pas bon. Donc, R3, ouais. Coup de couteau normal pour couper les sangles. Hop. Ok. Bah voilà. Voir ce que ça donne. Si, je peux aller plus loin quand même. Ah merde, non, ça se referme sur moi. Bon, c'est pas grave. Donc oui, ça fait plaisir de rejouer un Wolfenstein parce que c'est quand même... Enfin, pour les plus jeunes d'entre vous, vous aurez sûrement pas connu ça, mais c'est la base des FPS avec Doom. C'est pour ça d'ailleurs que les FPS avant, on appelait ça les Doom-like, hein. C'est pas pour rien. Et, hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui. Utiliser la tourelle du cockpit. Ok. D'accord. Là par contre, il n'y a rien d'indiqué quoi. Tirer. Ok. Viser. Ok. Non, c'est mes alliés. Putain, je suis trop con. Allez.
C'est qui me tire? Oh putain. Non, non, si. Ah, c'est parti pour les trophées. Donc le jeu est sorti sur Xbox One, PS4, là c'est la version PS4 d'ailleurs, et PC. J'ai pas regardé s'il était sorti sur 3.6 et PS3. Parce que je suis sûr qu'il n'est pas sorti sur Wii U. Comme, comme d'hab, hein, de toute façon, elle a abandonné cette console. Malheureusement pour les joueurs Wii U. Et putain, mais j'ai... Ah oui, d'accord, j'ai une armure, j'avais pas... Bah, t'es sérieux, là? C'était un script, ça. Oui. Eh oh. Putain, je me fais tabasser pour me faire réanimer, c'est bon, ça? Mais calme-toi! T'as failli me faire mal, toi, espèce de con. Ok. On peut pas sauter en parachute, non? Franchement, ça passerait. Salut, la vainée. Ah. Les voix sont pas assez fortes, je trouve. Hein. Ou c'est moi qui ai pas mis le son de la télé assez fort aussi, mais après ça va faire un écho sur, au montage et ça sera dégueulasse. Donc on va éviter. Ah, je contemple, hein. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais je découvre, quoi. Il n'y a rien à appuyer, non? Tirer ça non plus. Là, je peux pas y aller. Ok. Ok. De quoi? Oui, tu veux qu'on fasse quoi? Enfin, je peux participer surtout, parce que là, c'est pas que je me fais un peu chier, mais... Hein. Puis vous aussi, du coup, il n'y a pas grand-chose à voir, ni à dire, là, pour l'instant. Bon, bah, on va vous parler de la série Wolfenstein, en attendant de faire quelque chose. Donc, c'est une série qui a été créée... Enfin, le premier jeu Wolfenstein a été, est sorti en 1981. Et il s'appelait Castle Wolfenstein... Le deuxième est sorti en 92, c'est Wolfenstein 3D, c'est celui qui est dispo sur le PSN et peut-être sur le live de Xbox. Donc pour ceux qui ont envie de se refaire un FPS à l'ancienne, téléchargez-le, ils sont pas très chers en plus. Et c'est vraiment excellent quoi, comme jeu. C'est vraiment des FPS à l'ancienne, bien hardcore, c'est pas on se planque derrière un mur pour régénérer sa vie, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Putain, je bafouille. Ah merde, fais quelque chose. Merde, quel con. Courir, hein, et puis... Ouais, d'accord, normal. Hop. Eh ben, ça fait pas du bien. Ajouter au journal, sauter en courant. Ouais, bon, enfin, c'est bon, les gars, quoi. Faut pas abuser non plus, hein. On va pas tout mettre dans le journal. Allez, les gars. Merci. Et le dernier Wolfenstein avant celui-là. Oula! Je... Mais serait-ce un bug pour commencer? Mais c'est magnifique. Putain, mais j'y crois pas. Oh là 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 là. Putain, je suis dans le sol. Bon, bah on aurait eu le droit à un petit bug. Le jeu, il est pas fini déjà. Super. Il est quand même violent celui-là, hein.
C'est bon? C'est bon, je suis revenu les pieds sur terre. Ok. Allez. Bon, on va suivre ça. Hein? Je peux pas récupérer une arme, s'il vous plaît. Attends, il y a deux secondes, hein, je me désaltère, j'allume une clope. Bon, au pire, je coupe au montage, je verrai. Bon, faut faire quoi? Ah. Voilà. Ah, c'est excellent, ça. Allez, réveille-toi. C'est bon, on voit rien. Mais alors, on voit rien du tout. Hop, pardon. Le cendrier qui fait un peu de bruit. Voilà, là on retrouve l'esprit Wolfenstein. C'est tout à fait ça. Il y a toujours des mechas, des zombies, des extraterrestres. Mais c'est toujours bien placé dans l'histoire. C'est ça le pire. Ok, allez. Oui, je la vois. Et le Cerber aussi de la voix du coup. Ouais, j'arrive par où? D'accord. Donc là, de la vie, ça peut servir. Non, tout n'est pas cassable. Wow, 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 wow. Détends-toi, toi. Oh là. Ah, d'accord. Courez et glissez. Ok. Allez. Non, t'es pas perdu, c'est quand même couloir. Eh, nage, 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 nage. C'est quoi ça? Faut appuyer dessus. Non, c'est juste une lumière. Ok. Graphiquement, c'est beau, mais je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Hein. Mais vraiment à beaucoup mieux. Surtout venant de Bethesda, parce qu'on le... C'est eux qu'on fait quand même Skyrim, Oblivion, enfin la série Elder Scrolls, les Fallout, bon, qui n'étaient pas génial graphiquement, vous me direz, mais bon. Mais ouais, je m'attendais un petit peu à mieux. Ouais, il est où? Ah, il est là. Putain, je voyais plus gros que ça en fait. Dégage. Bon, ça va, ils sont pas très résistants. Hop. Ouais, texture. Ouais, ça va. C'est pas mal, mais ouais, je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Salut. Il
pouvoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Bon, les expressions faciales sont bien faites. Enfin, le grain de la peau, tout ça, c'est, ouais, c'est pas mal. Ok, on va balancer les tirs de couverture. Salut. Alors, bon, bon, on va aller par là. Bon, 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 bon. Et calmez-vous. De quoi? Pourquoi je pouvais appuyer sur carré? Putain, je comprends rien. Ah mais salut! J'aimerais descendre! D'accord. Grenade, hop. Donc les grenades, ça doit être avec R1, je pense, en toute logique. Rien là? Non? Wow. Faire quoi? Pourquoi? Je comprends rien à ce qu'il faut faire. Oula, oula, oula. Voilà, d'accord. C'est quoi ça? D'accord, de l'armure, de la vie. De... C'est quoi? Des munes. C'est bon, j'ai tout. Et maintenant? Maintenez L2 hein, pour vous baisser. Et L... Hein? Je comprends pas. D'accord. Ok, ok, ok. Oh là là. Ah, je suis désolé, je galère, mais vraiment comme un porc. Changer d'arme. Triangle. D'accord. Gauche ou droite? On va faire un tour à gauche. D'accord. À droite, putain. Bon, bah c'était à gauche. Qu'il y ait une visée auto, un peu. D'accord. Ah si, un petit peu quand même. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab pour les FPS console. Ça aussi, dans un sens, c'est quand même bien dommage, mais bon. Il est où? Il est mort. Ok. Eh oh! D'accord, environnement un peu destructible tout de même. Ok. Par là, y'a quoi? D'accord, c'est juste super. Ah mais, d'accord, tout à l'heure j'étais là. Ok! Je commence à comprendre un peu. Oh putain! Mais, il est où? Putain, je les vois pas. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs à récupérer. Pour ouvrir le menu, sélection des armes. Non, non, non. Oh, c'est bon ça. Les bons akimbo. Ok. La maniabilité est quand même, comment dire, un peu lourde à la manière d'un killzone. Ça se rapproche plus d'un killzone que d'un call-off au niveau de la maniabilité. Et c'est, enfin, c'est pas plus mal hein, d'ailleurs, c'est pas une critique. Ouais bon, hein, les akimbo sont bien gentils, mais on va y aller comme ça. C'est où qu'il faut que j'aille? Là? Bon, on va arrêter de tout récupérer par contre. Hein. Ouais. Ok. Les bons chiens méca quoi.
Et tu vas me laisser tranquille, oui. Laisse-moi admirer la vue. Arrête de me tirer dessus, laisse-moi... tranquille. C'est toujours spécial comme ambiance, les Wolfenstein. Ça se passe pendant la Seconde Guerre, mais avec un esprit futuriste, c'est vraiment... alors, toi là-bas, hop, hein. Boum. Pas assez loin. Putain, par contre, le recul de l'arme, oh là là. On me dirait, c'est réaliste, dans un sens. Dégage, toi. Mais t'es sérieux, c'est quoi ces grenades respirées, là, qui font aucun dégât? Ok. Petite glissade qui va bien. Ouh, toi, tu vas te la prendre en pleine tête. Hop. Il est où? Merde, j'ai plus de grenades. Hop. Ta. Reste tranquille. Toi aussi. Pistolet, oui, bah enfin. On va peut-être pas y aller au pistolet non plus. J'ai l'impression de tourner en rond. Putain, pourquoi j'ai pas gardé des grenades aussi? Ah, ça c'est bon. La mise à couvert. Hop. Ah, elle a un recul cette arme, mais c'est juste... Wow, horrible. Bon, il y a quelques bugs sur la mise à couvert, mais bon, ça va. Ça pourrait être pire. Ah, bon, on va aller par là. Ça me fait flipper, parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop... un peu couloir, quoi, quand même, hein. Après, je vous dirai ça, on fera le test avec Nono, je pense, samedi soir. Donc, on verra, mais là, pour l'instant, ça fait... Enfin, vous me direz, c'est les tranchées, mais ça fait quand même pas mal couloir. Et j'ai pas récupéré de grenades. Ah, par contre, eux, ils en ont. C'est bon? Non, c'est pas bon. On va faire tir au jugé, il y a moins de recul, j'ai l'impression. Et ouais, j'ai pas gardé de grenade, je suis débile. C'est bon. Toi, je peux te prendre? Non? Bon, d'accord. D'accord. Je peux te prendre de ce côté seulement. Tu tournes à 360? Non. Je peux pas détruire ça non plus, non. Ok. Cette mitrailleuse est donc inutile pour moi en tout cas. Ok. Eh bah oui, continuons par là. Ah, des grenades, yes. D'accord, et là je ne peux rien faire. Grenade là-bas, non? Non. Elle souffle comme ça en fait. Ok, tout simplement. D'accord. Cassos! Ouais, ces effets de particules sont pas mal. Bon, on en est à combien là? Je voulais pas faire trop long de toute manière pour pas vous spoiler non plus tout le début du jeu. On est quoi? 25 minutes? Allez, je fais jusqu'à 30. Et. Mais va te fermer, eh merde! Bon, on va faire le tour. Tu vas me laisser tranquille, oui? Ils prennent l'aggro de super loin, quoi.
Il est où? C'est con qu'ils aient pas gardé le système des... Ah mais si, ils l'ont gardé, je suis con en fait. Non, non, je dis n'importe quoi. J'allais dire, ouais, on se met à couvert, puis on régène notre vie, mais non, non. Il y a de l'armure et des soins récupérés de partout, donc non. S'ouvre de l'autre côté. Bah bien sûr. Tant qu'à faire. En niveau de difficulté maximale, il doit être quand même bien, bien hardcore. Sinon, pour la durée de vie, d'après nos amis de PlayerOne.tv, ils ont déjà passé entre 8 et 10 heures dessus, et ils n'avaient pas fait le tour. Hein. Donc, grosse durée de vie pour un FPS, ça fait plaisir. Ça change des Call of, BF et compagnie, hein, de toute façon. Puis même Killzone avait une durée de vie assez faible, je trouvais. Donc, ça fait du bien, quoi. Si se plie en 12 heures pour un FPS, c'est vraiment raisonnable. Wow. Va te faire mettre. Ouh, joli l'esquive, garçon. Ah, mais ils sont combien hein? Allez. Garde ta grenade en main, toi, là-bas. Ouais, faut spammer carré quand on se balade, quoi. Au moins, on récupère tout. Surcharge de santé, d'accord, on peut... D'accord, ouais. On peut monter la santé au lieu au-dessus de 100, mais elle diminue au fur et à mesure, quoi. Ouais, ça doit servir pour les passages un peu plus rock'n'roll. Ensuite... Allez, j'y suis allé. Ok, au-dessus... Mais bon, on retrouve quand même bien l'esprit des Wolfenstein, donc... moi, j'aime bien. Pour l'instant, franchement, j'aime bien. Pourquoi j'ai pas... Elle est où, la grenade, là? Voilà. Enfin, pour l'instant, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ça passe bien. On grenade ou on grenade pas? Allez, on grenade. Eh, putain, je sais pas si elle a eu... Ah, bah voilà. Retour à l'envoyeur, je sais pas ce que c'est, mais on l'a eu. Enfin, retour à l'envoyeur, c'est quand? C'est pas une grenade que je leur ai... enfin, que j'ai rebalancé, on va dire. Qui m'ont lancé, puis que j'ai rebalancé. Donc, je comprends pas trop, là. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va finir ici, hein. Hop. On va prendre ça, et puis je vais finir là-dessus. Il faut faire quoi? Wow. Putain, c'est lent. D'accord. Ah bah oui, loulou, hein. Allez. Mais tu vas... Putain, c'est lent. Ah, désolé pour le bruit de la manette, hein. J'essaierai d'y diminuer au montage, mais pas sûr. Et boum. Bon, bah voilà. Bon, bah on va se laisser là-dessus, hein. On va se laisser là-dessus. Donc, bah je vous dis, je vais continuer de toute manière. Puis on vous fera le test samedi complet. Savoir vraiment ce que ça vaut. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal, un peu déçu graphiquement, mais pour le reste, l'esprit est là, la jouabilité est pas mal. Donc, le level design, c'est un peu trop couloir pour l'instant, mais peut-être qu'après, ça va évoluer. Hein. Donc, on vous dira tout ça dans le test. Bon, bah, je vous laisse là-dessus, je vous fais des bisous, et puis bah, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau test sur Wolfenstein FF10-2. Child of Light, et je sais plus ce qu'on a de prévu encore, mais voilà, on se retrouve prochainement. Bon bah, je vous fais des bisous les amis, puis à la prochaine, ciao.